such a bittersweet symphony that's life, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. Puis on va débriefer la course, le prix de Bourgogne. Oui. Une bonne deuxième place avec Up and Quick. Tu vas nous expliquer comme si on était avec toi au Suiki. Avec grand plaisir. Je te laisse appuyer sur la touche play. Et on t'écoute. Bah, avec le numéro 1, on a essayé de jouer notre va-tout en partant, de ne pas se laisser déborder. Donc j'ai demandé le maximum à Up to démarrer. Bon, en Duval, on sait qu'il démarre très très vite, donc il s'est rabattu devant moi. Mais là, on est pas mal. Après, l'américaine, évidemment, c'est son sport, donc on savait qu'elle allait se rabattre là. Le jeu, c'était de ressortir du wagon de la corde, parce qu'on ne lui fait pas confiance. La jument avait très mal couru en Suède, quand on était venu en Europe. Et là, il va y avoir un tout petit espace, maintenant, entre Thiago de l'Étang et Timoko, et hop, j'ai réussi à m'y glisser. Et de ce fait, je peux prendre le dos de Timoko, et là, je pense que les choses sont très bien engagées, parce que le wagon est très bon. On est ce qu'on appelle quatrième au carré. Tout va bien. Là, Ready Cash qui tire déjà avec ses œillères. Franck Nivard va se dégager du dos de Texas Charm. Björn Goop, trop content de revoir un dos, le laisse faire. On est troisième Mirello à deux. C'est un bon wagon. On voit bien Thiago de l'Étang qui est dans mon dos. Là, c'est moins bien. C'est Severino qui emmène Soleil du Fossé, qui emmène Solvato. Bon, il est trop tôt pour moi de sortir. On vient juste de passer la flamme du kilomètre. Si c'était le prix d'Amérique, je serais sorti avant. Le cheval a besoin de se faire ouvrir pour être plus performant, mais d'un autre côté, pas ouvrir et casser. Mmh. Donc, on attend. Et après, on va dire que Thierry Duval-Destin, il va s'occuper simplement de bloquer le wagon de 3 et bloquer le wagon de 2 en restant en fausse position, sachant que Severino va mourir à un moment ou à un autre, ce qui va permettre à Ready Cash de faire sa course. C'est bien joué tactiquement. Tactiquement, c'est bien joué. Puis il n'y a rien d'illégal, hein, mais bon, nous, on est pris au piège. On voit bien que Ready Cash, il a déjà plus d'allure. Hein, et, même que Franck fait semblant, ça ne trompe personne. Et là, on va essayer tous de faire une vague. Moi, je vais gentiment me décaler. Bon, je suis dans le dos de Soleil du Fossé. Je vais pousser tant que je peux Thiago de l'Étang. Et dès que je vais pouvoir passer ma roue, je vais replonger par l'intérieur. Mais bon, on est trop court, quoi. Et on vient échouer du minimum. La finalité, c'est quand même que tu es super content de ta course. Parce que dans le dernier tournant, on peut pas dire que... Ça s'annonçait pas toujours pour le mieux, quoi. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que quand on a vraiment du gaz, on est rarement très très mal pris. C'est-à-dire que la moindre opportunité, on peut la prendre. Et j'ai eu l'opportunité à 100 mètres du poteau et je l'ai pris. Là, en ce qui concerne le cheval, pour moi, c'est la meilleure note de cette course pour la belle, puisque c'est la course référence. Ils sont très très bien dans le timing. À un mois de la course, il fallait qu'ils fassent une vraie course, il en a fait une. Ils vont arriver dans la bonne foulée, les masques sont tombés, voilà, le cheval est parfait. Moi, je l'avais drivé une fois, il avait beaucoup plus de poids pour l'équilibrer, et là, il était beaucoup plus allégé, mais même qu'il n'était pas déferré, il était vraiment très très léger. Il était parfait d'allure. C'est un cheval qui est assez lymphatique dans le peloton, il était bien dans la main, donc il montrait qu'il était prêt à bondir. Et quand je l'ai sorti, c'est vraiment pas un sprinter au départ. Et le fait de se faufiler entre deux chevaux, c'est quand même difficile de faire un créneau à pleine vitesse et de sprinter. Et il l'a fait, donc ça montre d'autant plus qu'il est tonique. Donc pour moi, c'est... Faudrait pas que Jean-Michel Bazir ait la grippe, quoi. Je te donne pas ton favori pour le prix d'Amérique. Au jour d'aujourd'hui, il a le droit de l'être. Il était second l'année dernière, battu par un super Maharaja dans un terrain vraiment difficile. Il avait assumé la course, hein, il avait été devant. Au jour d'aujourd'hui, oui, c'est le favori du Prix d'Amérique. Est-ce que pour toi, il est meilleur en allant devant?
je ne peux pas dire, je l'ai drivé à deux reprises, et deux fois on m'a demandé de venir de l'arrière-garde. Donc, comme je suis un garçon qui est très discipliné, je ne change pas les ordres. Maintenant, c'est vrai qu'il a gagné devant. Je pense que l'avantage des très grands chevaux, c'est qu'ils sont capables d'aller devant et derrière. Il a gagné le critérium des 5 ans en explosant le chronomètre en allant devant, mais la preuve en est qu'il peut être très performant en venant derrière. On passe aux questions des internautes, ouais. Pierrot, on va dans la case. Pas de problème. Bon Pierrot, avec Varenne derrière toi, voilà. Les questions des internautes, on y va. On a Romain qui nous demande quelles ont été les sensations que tu as eues au sulky d'Open Quick. Excellente. Excellente, mais pas uniquement durant le parcours de ce prix de Bourgogne. Le cheval m'avait emballé au 8. C'est-à-dire à l'échauffement, le cheval était bien délié, bien souple, tonique. Et quand je l'ai laissé glisser dans la bas de la descente et le tournant de Joinville et la fausse ligne droite, il était vraiment très très bien. Et pour l'avoir drivé une fois auparavant, je ne me rappelais pas du tout qu'il avait cette action-là. Donc il m'avait vraiment mis en confiance à l'échauffement. Okay. Il nous demande, quel est ton favori pour le prix d'Amérique? Maintenant, je pense qu'on y voit plus clair. Up and Quick fait, enfin pour moi, partie des favoris. Si ce n'est pas le favori. Ok. On a Damien qui nous demande, qu'as-tu pensé de la prestation de Ready Cash aujourd'hui? Je pense que c'est une mauvaise fin. Ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Maintenant, sans vouloir tirer à boulet rouge sur son entraîneur, un bonnet fermé à 10 ans, ça fait fin de règne, quoi. Je veux dire, c'est ce qu'on essaye sur nos vieux Hongres avant de partir à Malte, quoi. Hein, j'ai pas trouvé ça très bien, quoi. Pierre Damien qui nous demande, est-ce que tu seras au départ du prix d'Amérique et au Sulky de Key, évidemment, est-ce que tu as déjà eu des contacts? Alors, le seul contact que j'ai, c'est avec Lofty Colgini. Il m'a demandé de driver Mosaic Fess. Il m'avait demandé de le driver au départ dans le prix de Bourgogne. Quand on m'a demandé également pour Open Quick, j'ai appelé Lofty qui m'a dit non, de toute façon, mon cheval, je suis en seconde ligne, je suis encore dans une phase de préparation, je peux le driver. Donc, one done. Ensuite, il m'a demandé après la course, est-ce que je voulais le driver dans le ténor de Beaune. Dans le ténor de Beaune, je vais driver Very Nice Marceau, qui reste sur une victoire à Lyon pour sa rentrée après avoir été malade, traité, et apparemment le cheval refait surface. Donc j'ai rediscuté avec Lofty Colgini pour lui dire que ça m'embêtait de perdre la drive de Very Nice Marceau pour un cheval qui était hypothétiquement sûr de courir le prix d'âme, mais après que je n'avais pas drivé. Il m'a dit non, c'est pas grave, je vais le driver moi, drive son cheval. Et après, il m'a demandé simplement que, évidemment, si je gagne le ténor de Beaune avec un Ice Marceau, mais bon, ça on ne peut en parler qu'après la course, de lui réserver ma drive pour Mosaic Fess dans le prix d'âme, donc le seul cheval que j'ai à l'heure actuelle capable de courir avec ses gains, c'est-à-dire de rester, c'est Mosaic Fess. Question de Jordan qui nous demande quel cheval t'a fait la meilleure impression aujourd'hui et au sulky de quel cheval aimerais-tu être au départ du prix d'Amérique pour espérer le gagner? Up and Quick. Non, sincèrement, ils arrivent dans la bonne foulée. Le cheval a fait deux courses où il était, par les circonstances de course, où on n'avait rien pu voir. Jean-Michel, la première, il a pris la tête, il a laissé passer, il s'est retrouvé cul de paquet, il a jamais pu vraiment s'exprimer. La deuxième, il rendait 25 mètres drivé par son entraîneur, qui a suivi derrière dans une course qui était une parodie, parce que chloroformé par Texas Charm qui était devant et un cheval qui était deux nœuds au vent qui était hors forme. Donc il n'avait pas couru. Et en fait, sans le faire exprès, il se trouve à avoir la meilleure préparation possible après 6 mois d'absence, où on aurait trouvé honteux qu'un second prix d'Amérique et un gagnant de prix de Paris fassent globalement ce qu'on appelle le tour, en courant sans porter un intérêt à l'épreuve à laquelle il disputait. Et en fait, là, par les circonstances de course, il n'a pas pu s'y intéresser parce qu'il a été à chaque fois bloqué. Donc, il a eu deux courses pour se remettre dans l'ambiance. Aujourd'hui, c'est la première fois où on lui demande et il a répondu présent. Donc, il ne peut que monter là-dessus. Je pense que Jean-Michel, dans le Belgique, il va quand même en faire un peu plus qu'on pourrait faire avec certains chevaux, parce que justement, ça va être la dernière touche pour l'amener tip-top pour le prix d'âme.
il arrive dans la bonne foulée. La digue qui nous pose la question suivante, comment on peut réaliser un chrono aussi peu glorieux dans une préparatoire au Prix d'Amérique? C'est très simple, on est parti sur des bonnes bases. Alors déjà, il faut savoir que Météo France, une fois de plus, nous a mis dedans. Ils avaient annoncé un gel terrible hier soir, donc les responsables de l'hippodrome de Vincennes, aussitôt la dernière épreuve, et j'étais présent, donc je l'ai vu de mes propres yeux, ont énormément salé la piste pour pas qu'elle soit prise par le gel. Il n'a pas gelé, et non seulement il n'a pas gelé, mais on a eu une journée magnifique avec un soleil de plomb. Ce qui fait que la piste était très molle, donc les chronos d'aujourd'hui sont en toute logique avec le fait qu'on avait une piste qui était pas profonde, mais presque. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, si vous regardez, une fois que les places ont été prises en pleine et qu'il y a eu un wagon de 3, le wagon de 3 a été emmené par Soleil du Fossé, qui avait autant de chance que moi si je courais à pied dans cette épreuve. Donc il s'est trouvé à 3, nez au vent. Il ne pouvait pas progresser plus. Ça a arrangé certainement les affaires de Rédicage qui étaient tête et corde. Mais de toute manière, même s'il avait voulu se rabattre devant Severino, il ne serait pas arrivé. Et il a créé un bouchon. Donc on est monté très très doucement. Et la course ne s'est relancée vraiment que bien après le poteau des 500 mètres, quand le cheval de tête a essayé de réaccélérer et que Sol Bato et Roxane Griffe se sont dégagés du dos de Soleil du Fossé, et que les chevaux qui étaient englués derrière les trois chevaux de tête, qui étaient sur leur fin, puissent se dégager. Donc il y a plein de malheureux. C'est la raison pour laquelle que la deuxième partie du parcours a été un rythme de tortue, quoi. Qui nous demande si tu penses qu'un cheval peut réaliser le doublé Cornulier Prix d'Amérique cette année. Alors, pour avoir discuté après la course, aussitôt après le passage du poteau avec Christian Bijon, c'est pas impossible. Thiego Letang, aujourd'hui, il nous a pas enflammé comme dans le Bourbonnais. La raison pour laquelle, c'est très simple. Il a un programme qui est très chargé dans les prochaines semaines. Et Christian Bijon ne lui a pas mis une pression énorme à l'entraînement, il l'a juste entretenu. Et ce prix de Bourgogne n'était pas un objectif en soi. Il est second d'élite, magnifique, il a défendu l'intérêt des parieurs. Mais ce n'était pas le Thiego Letang qu'on a vu il y a un mois. La compétition aidant, il va courir tous les 15 jours, voire tous les 8 jours, puisque son prochain objectif, c'est quand même le prix du Cornulier, qui est une chose qu'il veut absolument remporter avec son fils. Ensuite, il va enchaîner sur le prix d'âme, et le prix de France, et le prix de Paris. Donc, il a un programme très, très chargé. Il avait besoin d'accumuler la condition et surtout de beaucoup de fraîcheur. C'est ce qu'il a fait. Je pense que Christian Bijon est lui aussi dans la bonne foulée. Il peut le faire. Il peut le faire. Alors, ça s'applique également, je pense que ce n'était pas une question qui visait personnellement Thiego Letang. Il y a également Roxane Griffe. Est-ce que tu penses qu'elle est dans le même cas de figure? Madame Thatcher, la dame de fer, oui, elle peut le faire. Elle peut le faire parce que Éric Raffin était très, très satisfait de sa course aujourd'hui. Et la jument, on sait bien, je l'ai vu, j'ai fait un canter à côté d'elle, elle est magnifique. Elle ne porte pas du tout le nombre des années sur elle. Et oui, elle peut le faire. Donc ces deux-là, sans aucun doute, peuvent réaliser ce doublé. Maxime qui nous demande pourquoi tu n'as pas drivé Open Quick plus offensivement. Pour la simple raison que son entourage était aussi un peu dans le doute, vu les deux courses qu'il venait de faire, où il n'avait pas vraiment pu participer, notamment la dernière avec son entraîneur, où franchement, il a suivi puis fini dans le brouillard. Il m'avait dit... le prix d'âme, c'est l'objectif. Essaye de lui donner une bonne course, mais ne nous le ramène pas plié en deux, quoi. Donc, effectivement, sur la question de Maxime, j'aurais pu peut-être me dégager du dos de Timoko, mais quand on est troisième rideau à deux dans le dos de Rédicage Timoko, on pense qu'on est dans un bon sillage. Après, quand on voit Severino venir à l'extérieur, qui se rabat devant Timoko, on sait que Severino, à un moment ou à un autre, on va se le manger. Donc, si je cours très agressivement, il faut qu'au sorti de la plaine, mais là, on est quand même à 1300 mètres du poteau, je sors du sillage de Timoko, c'est moi qui me viens et qui crée le wagon de 3, je me rabats à côté de Rédicache, et là, tout feu, tout flamme jusqu'au poteau.
Est-ce que j'aurais été au poteau? Est-ce qu'il avait la condition physique pour le faire? On ne le saura jamais parce que je ne l'ai pas fait. Mais c'était la seule chose à faire si on, pour mener plus agressivement. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai respecté le cheval, j'ai respecté l'entourage qui m'avait confié un cheval pour une seule fois, parce que l'objectif primordial, c'est le prix-dame, et je ne regrette pas de l'avoir fait. Question de Kevin maintenant, Pierrot. Il nous demande si tu seras le driver définitif d'Open Quick. Donc tu as plus ou moins répondu que tu n'étais qu'un. Un prestataire de service. Voilà. Et il nous demande également si Solvato t'a impressionné aujourd'hui et si c'est un potentiel lauréat de prix d'Amérique. Alors, potentiel lauréat du prix d'Amérique, oui, il peut. Parce que Ariane Kilstrom m'a assuré que la distance n'était pas un souci et et passer la côte à Vincennes non plus. À ceci dit, je lui ai dit que personnellement j'étais déçu de sa prestation il y a 15 jours. Et il m'a dit que le cheval avait hésité à s'engager entre deux concurrents parce qu'il n'était pas habitué à se frotter dans les courses qu'il avait fait en début de carrière par rapport à notre système de course. Aujourd'hui, on a bien vu que le cheval venant par l'extérieur, il a très bien sprinté, il a gagné. Je pense qu'aujourd'hui, il a gagné parce qu'il était dans le bon wagon au bon moment, son driver l'a envoyé au bon moment. Il gagne somme toute normalement, mais il gagne que d'une demi. Oui, il peut être à l'arrivée du Prix d'Amérique, il peut même le gagner. Voilà. Mais on demande confirmation. C'est vrai que c'est un bon cheval. Oui, il t'a pas impressionné là quand on t'entend parler. Il a le meilleur des parcours. C'est lui qui peut faire feu. Il s'est fait ramener sur un plateau par Soleil du Fossé. Bon, voilà. Mais il ne s'est pas envolé non plus au moment du sprint, quoi. Hein, on finit dans un temps qui est pas superbe pour ces chevaux-là. C'est sur le pied de 13 et demi. On aurait fini 7 ou 8 ou 9. Oui, j'aurais dit, tiens, il s'est envolé. Là, il a pris l'avantage parce qu'il y avait un bouchon dans tous les chevaux qui étaient à la corde. Et voilà, faut qu'il fasse mieux que ça quand même.